On se quitte en musique avec Walter, Superstar. À la semaine prochaine, au revoir. Si tu meurs, superstar killer.
Un constat tout d'abord, pour les musiciens, pas de doute, depuis sa création, la fête de la musique n'a plus tout à fait le même esprit. La spontanéité des débuts a été rattrapée par l'organisation des musiciens d'une part eux-mêmes. Il y a des magasins de musique aussi qui ont installé des podiums, pour faire leur propre publicité. Puis aussi les différentes mairies qui ont sauté sur l'occasion pour faire des animations de rue, donc qui ont essayé de faire en sorte qu'il y ait un minimum de qualité, donc un début d'électrification et donc peut-être un petit peu moins de possibilités de spontanéité, parce que dès que c'est électrifié, des gens qui font de l'acoustique, par exemple, qui font des instruments acoustiques, trouvent moins de lieux dans les rues pour ne pas être couverts par le podium de côté. Voilà. Au fait, la fête de la musique est-elle faite pour se défouler ? Je n'aurais peut-être pas dû poser la question. Nous, c'est notre métier. Alors, se défouler, ouais. Enfin, c'est ma vie, de toute façon. Donc, me défouler, je sais pas. J'ai toujours fait ça, donc j'en sais rien. Peut-être pour certains, mais pas pour moi. Enfin, ça suffit pas comme définition. Quoi. C'est un peu court. C'est un peu court, jeune homme. Walter Superstar a débuté en mai 97 et a déjà sorti un CD. Les 5 musiciens alençonnais participent dimanche à la fête de la musique. Ils seront assez et c'est déjà beaucoup. J'ai découvert ce matin un engin plutôt malin. Un revolver super pervers. Un drôle de flingue complètement dingue. Une salle. Je pourrais tout exorciser.